suis avec Abid Boazba qui a couru New York cette année et qui s'est bien fait plaisir sur le parcours. Pour ma première participation donc, au marathon de New York, j'ai été parti pour objectif de suivre donc, les premiers le plus longtemps possible. Donc tu as passé le Verrazano Bridge, tu es remonté jusqu'à Brooklyn avec eux, sans problème. Voilà, donc avec un passage en 31-30 au 10e kilomètre, j'ai suivi la cadence, leur cadence, qui est leur tempo, qui était assez élevé, donc jusqu'au un peu avant le 20e kilomètre. Et j'ai entendu dire que Wilson Kipsang t'avait fait un petit geste à un moment. Oui, il s'était porté à ma hauteur, il me parlait donc en anglais, et il me disait calme. Il devait pas te connaître et se demander pourquoi tu mettais autant de rythme à la course peut-être. Voilà, je pense plutôt que c'était une course plutôt tactique, et ça devait se jouer surtout sur la fin. D'accord. Donc t'en gardes un beau souvenir, j'imagine. Ça a dû être une expérience géniale. Très bon souvenir. Et à refaire l'année prochaine.